10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouais. La mission R2T2 Meteor vient de se terminer. Donc le challenge de cette mission, c'était d'identifier l'impact d'une météorite en rapprochant des timios qui pouvaient fournir des données de l'emplacement où allait frapper la météorite. Donc c'est des données essentielles pour préparer la gestion de cet atterrissage-là. Et pour ça, il y avait une équipe ici en direct de la conférence Scratch qui associait avec une équipe à Moscou et une équipe à Guadalajara au Mexique. Donc ces trois équipes ensemble ont collaboré pour faire approcher des robots distants. La maquette de l'expérimentation est à Lausanne, en Suisse. Et donc, ils ont collaboré de manière à pouvoir récolter ces données en faisant bouger les robots distants, en expérimentant localement, puis en les faisant bouger à distance. Et donc, en collaborant, ils ont réussi à fournir des données suffisantes pour que les scientifiques puissent ensuite gérer la descente de la météorite. Donc, c'était un bel événement avec des enfants entre 8 et 15 ans. Et c'était super. Voilà. Tu peux écrire aux autres.